On va voir maintenant le point 9. Dans le point 9, on va voir les portes universelles. Alors, les portes universelles qu'on va voir, c'est les portes nord et les portes nord. Ce sont les portes universelles. Alors, qu'est-ce que c'est les portes universelles? Pourquoi on les appelle de cette manière, les portes nord et les portes nord? Parce que elles peuvent implémenter n'importe quelle opération logique. Les opérations logiques de base sont le AND, le OR et le NOT. Ces trois opérations logiques, c'est les opérations de base logiques avec lesquelles on peut construire n'importe quel circuit. Les portes NAND ou bien les portes NOR, ils peuvent implémenter, ils peuvent créer ces trois portes. Ils peuvent créer ces trois portes. On peut créer par exemple la porte NAND, pardon, la porte AND, on peut la créer à partir que de porte NAND. Ou bien on peut la créer que à partir de porte NOR. Cette caractéristique, on appelle ça les portes universelles. On appelle ça les portes universelles. Je vais lire le deuxième point. N'importe quel circuit peut être converti à un circuit à base de l'une des portes universelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel que soit le circuit, quelles que soient les portes qui constituent ce circuit, on peut convertir ce circuit vers un circuit qui ne contient que les portes NAND, par exemple. Ou bien on peut le convertir vers un circuit qui ne contient que les portes NOR. On peut faire ça. On peut faire ça. C'est pour ça on les appelle les portes universelles, parce que on peut créer n'importe quel circuit à base que de ces deux portes. Ou bien la porte NAND, ou bien les portes NOR. Généralement, on ne crée pas un circuit avec les deux. Ils sont séparés. Ici, c'est comme un OU exclusif. Ou bien, un circuit est construit qu'à base de portes NAND, ou bien il est construit qu'à base de portes NOR. Pourquoi ils sont si importants que ça? Parce que l'implémentation sur silicone est favorable aux portes universel. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tout d'abord, le silicone, c'est quoi le silicone? Le silicone, c'est un terme anglais. En français, on appelle ça le silicium. En français, c'est le silicium. Mais le terme silicone, il est très connu dans le domaine. Par exemple, Silicon Valley, et ainsi de suite. C'est très célèbre. Pourquoi on appelle Silicon Valley par ce nom? C'est à partir de ça. C'est quoi ça? Ça, c'est un atome. C'est un atome. C'est un élément chimique. C'est un atome. Il se trouve en abondance dans le sable et il permet de créer les circuits intégrés. Tous les circuits intégrés à l'intérieur, ils sont conçus à base de silicone, à base de silicium, à base de silicone. Alors, l'implémentation des portes NAND ou bien des portes NOR, elle est favorable. Elle est avantageuse sur le silicone. Pourquoi? Je vais vous donner par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous savez que les portes logiques à la base, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des transistors. Ils sont conçus à base de transistors. Alors, une porte NAND ou bien une porte NOR, elle est constituée de quatre transistors. Que ce soit NAND ou bien le NOR, elles sont conçues à base de quatre transistors. Les deux, pour les deux. Par contre, quand par exemple la porte AND, elle exige 6 transistors. Elle exige 6 transistors. La porte OR aussi, elle exige 6 transistors. Ça veut dire que les portes NAND ont besoin de moins de transistors. Et ça, c'est avantageux. Ça, c'est avantageux. Le moins de transistors, le mieux c'est. La même chose que la réduction. Le moins de transistors, c'est le mieux. C'est en plus de ça, réellement, électriquement, l'implémentation du NAND et du NOR, elle est électriquement, elle est plus avantageuse. Elle est mieux qu'une porte OR ou bien une porte AND. C'est mieux de créer des portes NAND. C'est mieux de créer des portes NAND que les autres portes. Électriquement, c'est favorable. Électriquement, c'est favorable. Voilà. Et ainsi, il y a une bonne partie là, il y a quelques circuits
intégrées qui sont à l'intérieur conçues qu'à partir de portes NAND ou bien de portes NOR. Il existe des circuits de ce genre. Il existe des circuits normaux, ça veut dire des portes hétérogènes, mélangées, il y a des portes AND, OR, et ainsi de suite. Mais il y a un autre type de circuit qui sont à la base conçus qu'à partir de portes NOR, ou bien d'autres à partir de portes NAND. Voilà, ça veut dire qu'ils vont prendre l'avantage des caractéristiques des portes NOR et NAND qui ont avec le silicone, avec le silicone. Il y a un autre avantage aussi pour ces portes-là. Ces portes-là deviennent utiles lorsque, par exemple, pour un petit circuit, supposons par exemple, on est en train de créer un petit circuit et on n'a pas une porte donnée. On n'a pas, par exemple, vous n'avez pas, par exemple, le AND. Là, si vous avez des portes, une porte universelle, que ce soit le NAND ou bien le NOR, à partir de ces portes, vous pouvez les remplacer. Vous pouvez remplacer votre AND avec ces portes-là. Et on a eu ce problème. Par exemple, lors de la pratique, lorsqu'on essayait de créer l'afficheur 7 segments, le segment A, à la fin, on avait la porte AND qui avait 4 entrées. On n'avait pas cette porte. On avait remplacé par 3 portes OR. Pardon, c'est la porte OR. C'est le OR avec 4 entrées. On cherchait le OU avec 4 entrées. On ne pouvait pas trouver de porte avec 4 entrées parce que réellement ça n'existe pas. Ça n'existe pas un OR avec 4 entrées. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait remplacé cet OR avec 3 OR. On avait fait 3 OR. Mais réellement, on pouvait utiliser une porte NOR qui contient plus que 4. Elle contient plus que 4. Elle contient un nombre élevé d'entrées et on pouvait l'utiliser dans le circuit. Ça veut dire que parfois, si vous n'avez pas une porte spécifique, vous pouvez la remplacer par les portes NAND ou bien les portes NOR. Voilà, on va voir un exemple, une illustration, comment on peut remplacer les portes de base, comment on peut les remplacer par des portes universelles. On voit ici l'exemple de la porte NOT. Ça, c'est la porte la plus basique, c'est la porte NOT. Et on va la remplacer par une porte NAND équivalente. On va la remplacer, on va la convertir en utilisant une porte NAND équivalente. Et vous la voyez à droite. On peut faire cette configuration et on aurait ça, ça remplace la porte NOT. Et si on l'analyse, on voit bien que ça remplace. Par exemple, ici, on a la même entrée. Ça, c'est l'entrée A. Ici, c'est A. Ici, c'est notre A. Ici, c'est A. Le A va vers la première le premier opérand, le deuxième opérand. Et on aurait A and A, tout sous le NOT. Et ça va vous donner ABA. Voilà, ça c'est l'écriture algébrique de cette porte, de ce circuit. Ça, c'est l'écriture algébrique. On a A et A, le tout bas, c'est égal à ABA. Et ça, c'est vrai. Dans les règles de l'algèbre de Boole, vous avez A et A, c'est égal à A. C'est bien connu. Ça, c'est l'une des règles de l'algèbre de Boole. Vous pouvez vérifier ça. Vous allez les vérifier et vous allez trouver que A et A, ça donne A. C'est égal à A. Oh, il y a aussi l'autre règle. A ou A, c'est aussi égal à A. Ça veut dire A plus A, aussi c'est égal à A. Ça veut dire qu'on peut faire ça. A et A, le tout bar, comme ceci, ça va me donner le A bar. Ça veut dire que ce circuit, il va faire l'inversion. Il va faire l'équivalent d'une note. Ça veut dire, si on a besoin d'une note, on va utiliser une seule porte NAND. On va voir un autre exemple. Est-ce qu'on peut faire l'équivalent d'une porte AND? Alors, pour faire l'équivalent d'une porte AND, on aurait besoin de deux portes AND. On va utiliser deux portes AND pour faire l'équivalent. Les deux portes AND, c'est très simple. C'est très simple ici. Ça, c'est réellement, ça, c'est le NOT qu'on vient voir ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait A et B, NOT, NOT. Voilà, c'est ici, c'est ça l'expression. A et B, NOT, NOT, ça donne A et B.
Ça veut dire que ces deux portes-là en série, ils vont remplacer la porte end. Et là, toujours l'expression algébrique, l'algèbre de Boole, elle permet de mieux comprendre comment c'est conçu. Là, c'est ça, c'est le not. Et ça, c'est le not, not, not. Ça va s'annuler. Ça va rester que la porte end. Ça va rester que la porte end entre A et B. Ça, c'est A. Ça, c'est B. Voilà. On peut créer une porte, dorénavant, on peut créer une porte end à partir de deux portes nand. À partir de deux portes nand. On va voir un autre exemple. On va essayer de créer la porte end, mais cette fois-ci, on va la créer avec les portes nord. On va les créer avec les portes universelles nord. On va essayer de les créer avec la porte universelle nord. Là, c'est un peu compliqué. On va avoir besoin de trois portes. On aurait besoin de trois portes nord. On aurait besoin de trois portes nord. Alors, on va voir les deux premières portes qui sont assez simples. C'est A ou A, le tout bar, c'est égal à not. Ça veut dire que cette porte, c'est comme celle-là, elle représente le not A. C'est le not, c'est la porte not. Ça, c'est la porte not. Et ça, c'est la porte not. Ça veut dire, on a une porte nord, dans ses entrées, il y a un not, not. Il y a un not ici, il y a un not ici. On va l'écrire, on va l'écrire, vous allez comprendre comment on va la convertir. On aura A bar, ça c'est A bar. Ça c'est B bar, ça c'est B bar. C'est un OU entre les deux. Et ça, cette balle, le bar, le plus grand bar, ça représente le not du OR. Voilà, ça c'était cette expression. Cette expression, elle est bien connue. On peut appliquer la règle de De Morgan. On va lui appliquer la règle de De Morgan. Vous connaissez très très bien cette règle. Ça veut dire qu'on va pouvoir casser le long bar, on peut le diviser en deux en changeant d'opération. Ça veut dire, si on subdivise ça, on aurait un AND à la place du OR. Ça, c'est le théorème de De Morgan. C'est bien connu, vous pouvez voir ça. C'est le théorème de De Morgan. Lorsque vous avez un bar qui, par exemple, un bar qui couvre un plus, si vous le cassez en deux, l'opération plus, elle va devenir multiplication, AND, ou bien l'inverse. Même chose, si vous avez par exemple le AND, par exemple A AND B, le tout bar, vous pouvez casser le bar, mais lorsque vous cassez le bar, ça veut dire A bar, l'opération va changer. Le E va devenir OU. A bar ou B bar. Ici la même chose, ça veut dire si on casse ce bar, ça va devenir un AND, ça va se transformer du plus vers le AND et ça va devenir A bar bar, A bar, A bar bar. Et B bar bar, le bar et le bar, ça s'annule. Si vous avez deux bars, ça s'annule. Ça, c'est aussi une règle de l'algèbre de Boole. Ça devient 1, A et B. Ça devient A et B. Ça veut dire, ce circuit, avec ces trois portes-là, va remplacer une seule porte AND. Et c'est la même chose pour les autres portes. Quelle que soit la porte, on peut l'écrire sous format de porte NAND, que de porte NAND, ou bien que de porte NOR, ou bien que de porte NOR. Ça veut dire qu'on peut l'écrire sous format de porte universelle. On peut l'écrire sous format de porte universelle. Et voilà, ça c'est un exemple. En principe, en TD, vous allez voir comment vous pouvez convertir toutes les portes. Vous allez voir les portes élémentaires. Le not, le end, le or, comment vous pouvez les écrire, les convertir en porte end et en porte nord. Toutes les portes. Voilà, on va voir un exemple. Dans cet exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer tout le circuit. On a un circuit ici, on a le circuit à gauche, c'est un circuit simple, il contient 1, 2, 3, 4, 5, il contient 5 portes. On va le convertir, vers un circuit qui ne contient que les portes nord, on va choisir le nord. Pour cet exemple, on va faire le nord. On va le convertir vers un circuit qui ne contient que les portes nord.
Et vous allez voir, on aurait les deux circuits qui seraient équivalents. Ça, c'est un circuit normal et ça, c'est un circuit qui ne contient que les portes nord, que les portes universelles nord. On va commencer avec le or. Alors, l'or n'avait pas fait son équivalent, mais on peut facilement le déduire à partir de nord. Alors, comment on peut faire? On peut faire ça, par exemple. Si on prenait une porte nord et si on lui ajoutait le not ici, voilà, comme ceci, qu'est-ce que ça va devenir? Voilà, ici, ça c'est A ou B, nord A ou B, et le not. Ça veut dire les deux notes, ils vont s'annuler et ça va rester A ou B. Ça va rester A ou B. On peut faire ça. Bien sûr, on va l'améliorer. On va essayer d'enlever ça et on va le remplacer par la porte nord qui fait le not. Qui fait le not. On l'a déjà vu. On peut, par exemple, faire ceci. Donc, prenez une autre nord. Par exemple, ça, c'est une autre nord. Et si cette autre nord, on rattachait ses entrées, on faisait ça. Voilà. Ça, c'est le not. Ça, c'est le not. Pourquoi c'est le not? Si on voit la formule algébrique, parce que c'est A ou A bar. Ça, c'est égal à A bar. Ça, c'est égal à A bar. Voilà. On vient de créer ça. Tout ça, c'est l'équivalent de la porte or. La porte ou. Ça, c'est l'équivalent de la porte or. De cette porte. De cette porte. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la porte AND. Comment on va implémenter le AND? Comment on va trouver le circuit équivalent du AND en utilisant les NOR? On l'a déjà fait juste après. On l'a déjà fait. C'était ça. Comment on va faire? On va prendre pour chaque AND, on va prendre trois portes NOR. Ça, c'est la première AND. Ça, c'est la première porte NOR. On va prendre une deuxième. Et on va prendre une troisième. Voilà, ça. Si on faisait ça, et ça, voilà. Ce circuit, c'est l'équivalent de la porte AND. Ça, c'est l'équivalent de la porte AND. C'est l'équivalent de la porte AND. On a juste vu dans l'exemple précédent. Ça, c'est la première AND. Ça veut dire, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la copier pour l'utiliser pour la deuxième porte AND. Les deux portes AND sont rattachées vers la porte OU suivante. Qu'est-ce qu'il nous reste? Jusque-là, on a fait ça, ça et ça. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le NOT. Alors le NOT, on sait très très bien comment on peut le faire. C'est comme ceci, comment on peut le faire à partir de porte NOR. C'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre porte nord, on va la mettre ici,
On va la copier. Pour la deuxième porte-note, on va la mettre ici. Et voilà. Là, pour créer le note, on peut faire ça. Voilà, ça c'est le note. Cette note, elle est rattachée à la première porte-end, ça veut dire c'est ici. Et la deuxième, ça veut dire ici, c'est rattaché directement à A. Celle-là aussi, elle est branchée à B. On va la brancher à B. Voilà, on vient de la brancher à B. Et celle-là, et la suivante, c'est celle-là. Deuxième note, c'est celle-là. Elle est branchée à ce end. Et elle est branchée à A. Elle est branchée, on doit la brancher à A. Voilà, on vient de la brancher à A. Qu'est-ce qui reste encore? Ça, cette entrée, ça représente ça, ça représente ce fil, ça représente ce fil. Et en principe, on a terminé le circuit. Voilà, on a terminé le circuit. Ce circuit qui ne contient que des portes nord, c'est quoi? C'est l'équivalent de ce circuit qui était hétérogène, qui contenait plusieurs portes. Voilà, ça c'est le principe, comment on peut convertir un circuit normal vers un circuit qui contient que des portes nord. Alors le principe ici c'était très simple. Chaque porte, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait pris chaque porte et on l'avait remplacée par son équivalent sous format de porte nord. Voilà, cette porte, son équivalent, c'est ces deux-là. Cette porte, son équivalent, c'est ces trois-là. La même chose pour celle-ci. Les deux notes, leur équivalent, c'est ça. La deuxième, c'est ça. Voilà. Ça, c'est une manière pour créer un circuit, pour convertir un circuit normal, hétérogène, qui contient plusieurs portes différentes, vers un circuit qui contient des portes universelles. Ici, la porte universelle, c'est la porte nord. On va voir une deuxième méthode pour faire pratiquement le même travail. L'autre technique qu'on va voir est appelée la technique de poussée de bulle. La technique de poussée de bulle. C'est une technique, c'est la même chose, elle va nous permettre de transformer un circuit hétérogène mélangé de plusieurs portes vers un circuit qui ne contient que des portes universelles. Que ce soit or, que ce soit nord ou bien le NAND. Que ce soit le NAND. Alors, cette technique, il faut savoir que cette technique, elle est visuelle. Vous allez voir, on va dessiner les circuits et on va visuellement les modifier. Cette technique visuelle, elle s'appuie sur l'imagination. Cette imagination, elle n'est pas réelle, mais on va s'imaginer ce mécanisme qui va nous permettre de transformer les portes. Alors, juste une remarque ici, c'est que je vais lire, c'est une technique visuelle s'appuyant sur le théorème de De Morgan. Ici, on va utiliser algébriquement le théorème de De Morgan. On va voir le théorème de De Morgan. Le théorème de De Morgan, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit? A fois B, le tout bar, est égal à A bar plus B bar. Plus B bar. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, il y a une égalité, ça veut dire que le circuit à gauche, il est équivalent au circuit à droite. Ça, c'est A fois B bar, le tout bar, ça. Voilà, on appelle ça c'est une porte NAND. Ça, c'est une porte NAND. Elle est équivalente à quoi? Elle est équivalente à A bar ou B bar. Ici, le cercle, ou bien ça c'est le cercle, on l'appelle ça c'est bar. Le cercle ici, ça indique que ça c'est A bar, et ce cercle indique que c'est B bar. Alors, la technique de poussée de bulles, elle nous incite à imaginer que ces cercles d'une note, ce sont des bulles. Ce sont des bulles d'air. Ce sont des bulles d'air. Et on va
Imaginez les portes comme des réceptacles, vides, par exemple. On suppose, par exemple, on a, ça c'est le porte-aide. On suppose que c'était un réceptacle. C'était un réceptacle, voilà, il peut contenir de l'air. Si on prend, par exemple, on suppose, ça c'est la sortie, et il y a deux entrées. Si on suppose que la sortie, il y a un trou, et les deux entrées, ce sont deux trous. À l'intérieur, il y a de l'air. Il y a une bulle. Supposons par exemple, on est sous l'eau. Il y a une bulle. Je vais pousser la bulle. Je vais pousser la bulle de l'entrée. Je vais pousser cette bulle. Si je la pousse, que va-t-il se passer? Il y aura de la compression de l'air à l'intérieur et les deux trous des entrées A et B, ils vont laisser s'échapper avec la pression de l'air, ils font laisser s'échapper deux autres bulles. Les voici. Voilà, ça veut dire, j'ai entré cette bulle par là, ils sont sortis par les deux trous de l'entrée A et B. Et en même temps, lors de ce processus, la porte, elle va s'inverser. Ici, on a une porte end, elle s'est inversée en porte or, ou bien l'inverse. Si on avait par exemple ici un or, c'est la même chose. Ça va s'inverser en end. Mais le principe, c'est ça. C'est qu'on imagine, c'est pas réel. On imagine, ça va nous faciliter. Cette imagination, elle va nous faciliter la transformation du circuit. On imagine que la porte, c'est un réceptacle qui contient des trous. La sortie, c'est un trou. Les entrées, c'est des trous. Si je suppose par exemple que je suis sous l'eau, par exemple, et il y a des bulles d'air. La bulle, je la pousse, cet exemple, je la pousse de l'entrée, je la pousse dans le trou de l'entrée. La pression à l'intérieur de ce réceptacle va pousser l'air à sortir vers les trous de l'entrée. Ils vont sortir de A et B. Lorsqu'ils vont sortir, ils vont créer des bulles aussi, ça veut dire des notes. Voilà, ça c'est l'imagination du théorème de Morgan. On vient de l'imaginer. Et cette technique de poussée de bulles, ça permet de transformer les circuits par une façon imaginaire. La façon imaginaire, c'est juste une astuce. C'est pas réel. C'est juste une astuce pour nous faciliter à transformer le circuit. Bien sûr, ici, il y a aussi la poussée, c'est par là. La poussée ici, c'est par là. Il y a aussi l'inverse. Il y a aussi le cas inverse. Supposons par exemple qu'on a une end ici, une porte end. Sur ces deux entrées, A et B, il y a deux bulles. Supposons que ça c'est des trous. Alors qu'est-ce qu'on fait si on fait la même chose? Si on pousse les bulles ici, ils vont entrer. Ils vont créer une pression. Que va-t-il se passer? Une bulle va sortir ici, la voici. Et dans l'entrée, ça va disparaître. Voilà. Et au cours de ce passage, la porte, elle va se transformer. Ici, ça a été end, ça va devenir une porte or. La même chose ici, on peut dire que si c'était un or, ça va devenir un end. Voilà, le truc, c'est que on va pousser les bulles à l'entrée qui vont sortir vers la sortie. Ici, il y a une remarque très importante. Ici, pour cet exemple, on n'a que deux entrées. Supposons par exemple, on a trois, quatre. Là, les entrées, ils doivent tous contenir une bulle. C'est une condition. Si on a par exemple quatre entrées, pour chaque entrée, il doit y avoir une bulle pour faire le pousser de bulle. Là, les quatre bulles, ils vont entrer et c'est une seule bulle qui va sortir vers la sortie. La sortie, c'est unique. La sortie, on sait, les portes, logique, ils ont une sortie unique. La même chose pour le cas inverse. Si par exemple, pour le premier cas, on a une bulle en entrée, je la pousse, elle va sortir sur toutes les entrées. Ici, on avait deux, mais si par exemple, on avait trois, quatre, ça va sortir, quatre bulles vont sortir sur les entrées A, B, C, D. C'est quatre bulles. Ça veut dire une seule bulle qui entre, c'est quatre qui ressort. Ou bien c'est quatre qui entrent, c'est une qui ressort. En tout cas, c'est que les entrées, fonctionner tous ensemble. Les entrées, ils doivent fonctionner tous ensemble, alors que la sortie, elle est unique. Ici aussi, c'est le théorème pour la deuxième, c'est le théorème de De Morgan, c'est juste qu'il est inversé, c'est que A
bar, et B bar est égal à A plus B, le tout est bar. C'est toujours le théorème de Morgan, il est juste inversé. Voilà, ça ce qu'on appelle le poussé de bulle. En anglais, on appelle ça bubble patch. C'est connu en anglais, c'est le bubble patch, c'est connu chez les électroniciens. Et cette méthode, vous allez voir, elle est meilleure. Pourquoi elle est meilleure? On va faire un exemple pour voir son utilisation. On va faire un exemple. Ça, c'est le même circuit qu'on avait fait avec l'exemple précédent. C'est exactement le même circuit. Et on va le transformer vers les portes universelles NAND. On va transformer ce circuit en utilisant la poussée de bulle en un circuit qui ne contient que des portes universelles NAND. Alors, on va ici, il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de méthode bien définie. Il faut essayer de trouver des astuces pour évoluer votre circuit et utiliser le poussé de bulle pour transformer votre circuit vers la porte que vous voulez. Nous, on veut transformer vers les portes universelles NAND. Alors, on va faire des astuces. Qu'est-ce qu'on va faire? La première astuce qu'on va faire, on va ajouter un NOT et un NOT ici. On va ajouter deux NOT. On va ajouter deux NOT. Ils seront représentés comme ça. Premier NOT, c'est une bulle. Tant mieux. Deuxième NOT, c'est une porte NOT. Bien sûr, ici, si on ajoute deux NOT successives, ça n'a pas en série. Ça ne va pas changer le signal. Ça va rester toujours le même. Ça veut dire, si par exemple, on avait A de barre. A de barre, c'est A. Ça veut dire barre. Ça veut dire que ça ne va pas changer le signal. Ici, on n'a rien changé. On a ajouté deux notes en série. Ça veut dire que le signal n'a pas changé. Ici, le circuit, c'est exactement le même. Mais pourquoi on a fait ça? On avait besoin de la bulle. On va avoir une bulle ici. Qu'est-ce qu'on va faire si on a une bulle ici? On va appliquer le poussé de bulle. On va l'appliquer comme ça. On va l'appliquer sur cette bulle. Alors, si on pousse cette bulle, que va-t-il se passer? Les bulles, ils vont sortir ici. Deux bulles vont sortir ici et en même temps, cette porte, elle va se transformer. Ici, elle est or, elle va devenir end. Et voilà. Et voilà. On vient d'appliquer le poussé de bulle. L'autre étape, on va, cette porte NOT, on va la ramener ici sous format de bulle. Bulle ou bien NOT, c'est la même chose. Bulle, c'est une note, ou bien le cercle, c'est le note. On va descendre ça et on va la schématiser par une bulle ici. On va aussi transformer cette bulle, on va la ramener ici. Ici, c'est un note. Je peux le mettre ici ou bien je peux le mettre ici. C'est la même chose, c'est équivalent. On a un fil, le note, je peux le mettre ici ou bien ici. Ça sera exactement la même chose. Alors, on va transformer le circuit de cette manière, parce que ça va nous arranger. Comme ça, on a 1, 2, 3. On a jusque-là 3 portes NAND. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à transformer tout le circuit en NAND. Voilà, jusque-là, on est arrivé à transformer le circuit en 3 NAND. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste ces deux-là. Ces deux-là, normalement, ce sont des bulles. Mais on ne peut pas laisser une porte avec une bulle et l'autre avec... le circuit ne doit contenir que des portes NAND. S'il y a une bulle restante ici, ça veut dire que c'est NOT. Je dois l'éliminer. Je ne dois pas laisser de bulles à l'entrée. Comment on va faire? Ces deux-là, on n'a pas de choix. On va les substituer. On va les remplacer par leur équivalent en porte NAND. On avait déjà étudié ça. On sait qu'une porte NAND peut remplacer une porte NOT. Peut la remplacer. C'est très simple. On a déjà fait ça. Voilà. Ainsi, le circuit final sera comme ça. Voilà. On va se modifier ces deux-là. Et le circuit sera de cette manière. Voilà. Ça, c'est le premier NOT. Et ça, c'est le deuxième NOT. Ça, c'est le premier NOT. Ça, c'est le deuxième NOT. Et au final, on a réussi à transformer tout notre circuit qui contenait au départ 5 portes. Un autre circuit qui contient aussi 5 portes, mais ces 5 portes maintenant, ils sont tous des NAND. Les deux circuits sont équivalents, ils font exactement la même chose. Ce circuit-là, il est équivalent au circuit de départ. Ils sont équivalents, ils font la même chose. Mais l'observation ici, l'importante observation ici, c'est que ici, cette méthode, elle nous a permis de créer un circuit en 5 méthodes. Si on faisait
une comparaison avec l'autre méthode, la méthode de substitution, dans laquelle chaque porte on la remplace par le circuit équivalent. Voilà, je vais la montrer. Là, on va compter les portes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de portes. La transformer en poussée de bulles est plus efficace. Ça veut dire qu'elle va laisser le nombre de portes réduit. Alors que celle-là, non. Elle ne va pas laisser. C'est qu'elle va transformer chaque porte, elle va la transformer. Et parfois, il y a des portes, comme par exemple le Inde ici, il est substitué, il est remplacé par trois portes. Ça veut dire que le nombre, ça va augmenter. Dans la poussée de bulles, on peut même réduire. On peut même avoir, par exemple, un circuit de 10 et avoir au final un circuit de 8. Ça peut arriver. L'inconvénient avec la poussée de bulles, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme. Il faut voir vous-même, il faut tester jusqu'à trouver la bonne. Il faut tester ça, parfois ça ne marche pas. Il faut tester et faire des bulles ici, des bulles par là, et faire les transformer jusqu'à ce que vous tombez sur un circuit qui sera réduit avec des portes universelles. On va voir maintenant quelques références pour ces portes universelles. On va commencer avec le NAND. Alors, la première chose à dire ici, c'est qu'il y en a beaucoup de circuits. C'est normal, ce sont des portes qui sont universelles. Elles peuvent substituer n'importe quelle autre porte. Il y en a beaucoup de références. Vous allez voir. Alors, on va commencer avec la première, c'est 7400. C'est un quad NAND, ça veut dire qu'il contient 4 NAND à l'intérieur. Il y a aussi le 7410, c'est triple NAND 3, il contient 3 NAND avec 3 entrées chacune. Il y a 7420, dual NAND 4, cette puce contient 2 NAND avec 4 entrées chacune. Il y a le 7430 NAND 8, ça c'est très connu. Ce circuit contient une seule porte NAND avec 8 entrées. Il y a 7440 Dual NAND 4, elle contient 2 NAND avec 4 entrées chacune. Il y a 7433, le NAND 13. Ça, c'est la porte qui contient le plus. C'est une porte NAND qui contient le plus d'entrées. Elle contient 13 entrées. Voilà, il y en a beaucoup par rapport aux autres. Il y en a beaucoup. Pour le Nord, on va continuer. 74804 Hex NAND. Ça contient 6 portes NAND. Voilà, il y en a en tout 7 références. Il y en a beaucoup. Pour le Nord, c'est à peu près la même chose. Voilà, la première c'est 7402 quad nord, elle contient 4 portes nord à l'intérieur. 7425 dual nord 4, elle contient 2 portes nord avec chacune 4 entrées. 7427 c'est triple nord 3, elle contient 3 portes nord avec 3 entrées chacune. 7428 quad nord, elle contient 4 portes nord à l'intérieur. 74260 Dual Nord 5, elle contient 2 portes nord avec 5 entrées chacune. Il y a 74805, c'est le Hex Nord, ça contient 6 portes nord à l'intérieur. Et voilà, on vient de voir un nombre important de circuits qui peuvent implémenter les portes universelles, et c'est tout à fait normal parce que ils sont utilisés si par exemple vous n'arrivez pas à vous fournir d'une porte particulière. Vous pouvez toujours vous référer, utiliser une porte universelle à la place.